Dans cette leçon, nous allons apprendre à fabriquer un bac de culture en bois de 2 mètres de long, d'1 mètre de large et de 50 cm de hauteur. Pour le fabriquer, nous aurons besoin de 4 planches en bois de 2 mètres de longueur, 20 cm de hauteur et 2 cm d'épaisseur. De 4 planches de 1 mètre de longueur, 20 cm de hauteur et 2 cm d'épaisseur. De 4 tasseaux en bois de 7 cm de côté et 60 cm de longueur. Et de vis de 50 mm de longueur. D'1 mètre, de 2 serre-joints, d'une perceuse, d'une visseuse et d'une pelle. Commencez par assembler les planches au tasseau d'angle. Placez la planche dans l'alignement du tasseau et fixez-les à l'aide de 2 serre-joints. Percez la planche aux endroits où viendront se loger les vis. Cette opération limite le risque que le bois n'éclate lors de l'assemblage des planches. Vissez et retirez les serre-joints. Assemblez la planche perpendiculaire. Faites de même sur le contour du bac en suivant les étapes précédentes. Choisissez un emplacement ensoleillé et à l'abri du vent où positionnez le bac terminé. Posez-le et marquez le sol au niveau des tasseaux. Creusez des trous de 20 cm de profondeur et placez le bac en enserrant les tasseaux dans les trous. Votre bac de culture terminé, vous pouvez le remplir de terreau ou bien créer une butte en lasagne avant d'y planter vos cultures.